un moment un peu crucial du séjour quand même. Hein. On va bientôt arriver devant les marches pour accéder à l'une des merveilles du monde. Ça va être intense. Rendez-vous en haut. Je vais essayer de minimiser les plans où je parle parce que c'est pas le plus intéressant. Et puis il y a suffisamment de quoi faire niveau paysage autour de moi pour vous régaler. Ça évitera de faire 15 000 plans où je suis en train de cracher mes poumons en fait. Parce que là ça va. Mais je garantis pas la suite. Après le Machu Picchu, c'est pas un site. Au niveau du Pérou, relativement très haut comparé à d'autres montagnes comme les Rainbow Mountains, on sera à peu près à 2300 mètres comparé à d'autres sites où on a déjà été beaucoup plus haut. Là, je vous montre un peu le paysage, c'est ouf. Vous avez déjà vu Jurassic Park? Ben, c'est un peu ça. Bon, allez. À toutes. De faire une petite pause pour parler un peu de mes ressentis et ce qui fait un peu bizarre, c'est qu'en fait depuis le début du séjour ici au Pérou, comme j'ai dit avant, on avait l'habitude d'être relativement plus haut et du coup le paysage qu'on voyait en fait à chaque fois dans la montagne, vous l'avez même vu sur une des précédentes vidéos, bah, on est même tombé sur une montagne ensablée quoi, un désert de sable, et là en fait on est moins haut donc il y a de la végétation, mais on se retrouve presque dans la jungle en fait. C'est vraiment ouf ce changement de décor.